Créer un devoir dans Moodle, premièrement, c'est activer le mode édition et ajouter une nouvelle activité. Donc, sous la rubrique « Activité », nous retrouvons « Devoir ». Ici, on va dire qu'il s'agit de remettre un laboratoire. Donc, je lui ai donné le titre, la consigne, je peux ici définir une date limite. Dans ce cas-ci, je la désactive et je désactive aussi le rappel à l'enseignant. L'élève, je dois lui dire s'il s'agit d'un texte en ligne, donc une rédaction ou une remise de fichier. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une remise de fichier. En ce qui a trait à la note, je peux ici donner la valeur personnalisée ou laisser la valeur par défaut de 100. La note pour passer, je pourrais l'établir à 60. Allons examiner. Qu'est-ce que ça donne? Pour l'enseignant, c'est une interface qui permet de consulter les travaux remis. Examinons comment ça se passe maintenant pour l'élève. L'élève clique sur son devoir, l'activité, et il est invité à ajouter son devoir. On remarque ici la consigne et la remise ici de dépôt par glisser-déposer. Donc, je glisse le travail attendu et j'enregistre le changement. On voit l'interface ici de l'élève où le document a été déposé et le statut s'est remis pour évaluation. L'élève a la possibilité de modifier son travail ou encore de le supprimer. Examinons maintenant l'interface de l'enseignant. Ici, l'enseignant voit qu'il y a un travail remis. Il a ici la possibilité de consulter les travaux remis et d'attribuer un résultat en cliquant sur « Notes ». Ainsi, après sa correction, l'élève aura le rapport et la rétroaction qui aura été faite par l'enseignant. Examinons ici pour l'élève, qu'est-ce que ça donne? On voit ici la note obtenue, évaluée par. Donc ici, l'élève a reçu son résultat.